Yo mon gars, c'est Rizor, donc j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan. Donc avant de commencer à aborder le sujet, je compte sur toi pour aller checker ma chaîne qui sera en description. Donc pourquoi? Parce que je m'approche tranquillement des 8000 abonnés et ça me ferait plaisir si on pourrait atteindre les 7900, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je suis là tout simplement pour te montrer, te prouver qu'on peut trouver des noobs sur Black Ops 3. Je vais te donner la petite technique, donc c'est pas un glitch, t'inquiète pas, c'est très facile. Donc le gameplay que vous avez sous les yeux, je suis pas sûr, ça va être une nucléaire au sectionnateur D13. Donc à l'époque, voilà, c'était la première nucléaire en France avec cette arme là. Donc laissez un petit like pour le gameplay qui est assez beau à voir. Donc voilà, je sais comment trouver des noobs sur Black Ops 3, donc je pense que dans la performance française, je suis le mieux placé. Non, pas pour mon niveau, t'inquiète pas, mais surtout parce que j'ai fait environ, je sais pas, 18 ou 17 comptes PSN sur Black Ops 3. Pourquoi? Je sais pas, gros, mais en tout cas, moi, j'aime bien jouer mes stats, j'aime bien jouer mon score par minute, mon ratio victoire-défaite, mon ratio élimination, bref, je sais pas pourquoi, moi, j'aime bien. Et j'ai réussi à savoir comment trouver des noobs sur Black Ops 3, donc c'est très simple. Donc d'abord, tu vas te refaire un compte PSN, ou soit tu vas restat, voilà, donc tu vas être niveau 1 sur Black Ops 3. Et donc si t'es tout seul, si t'as pas d'amis, mais je pense que t'en as, tu vas aller en MME pour jouer ton race victoire-défaite. Si t'as des amis, bah tu vas en domination ou en ce que tu veux, moi je pique KO. Bref, donc la clé pour trouver des noobs sur Black Ops 3, c'est simplement de jouer son race victoire-défaite. Et je te promets que si t'es niveau 55, donc bien sûr, faut pas passer son prestige, tu restes niveau 55, comme ça t'as toutes les armes, manoir, gros calibre, bref, tu connais les bails. Et donc une fois que t'es niveau 55 et que t'as un ratio élimination, donc il peut être de 2, 3, 4, 1, ce que tu veux, tu t'en fous. Ce qui est le plus important, c'est ton ratio victoire-défaite. Donc une fois que t'es niveau 55 avec un ratio victoire-défaite minimum de 4 ou 5, je te promets que tu trouveras que des noobs sur Black Ops 3. Donc je peux vous prouver que cette astuce marche. Pourquoi? Parce que sur ma chaîne, voilà, comme vous le savez, je monte souvent mes stats, je monte souvent les accueils dans lesquels je tombe. Et tout simplement, je peux vous prouver que voilà, ça marche. Donc moi j'espère que cette petite astuce t'a plu. Franchement, n'hésite vraiment pas à la tester si t'as pas beaucoup de gameplay sur Black Ops 3, si t'es pas très fort. Tu fais cette astuce, tu joues ton ratio victoire-défaite jusqu'au niveau 55 et ensuite tu joues avec tes potes et je peux te le promettre que ça va niquer des noobs. Bref, c'était Razor sur l'Obscure Clan. Je te dis à la prochaine et n'hésite pas à laisser ton petit like si cette vidéo t'a plu. Ciao mon gars.